Bonjour à tous. Aujourd'hui, Show Romanesco, Vache qui rit et Intégrale Curviligne fête son 10e anniversaire. Parce que oui, même si cette chaîne YouTube n'a que 1 an et quelques mois, cela fait aujourd'hui 10 ans que j'ai ouvert le blog qui a donné naissance à toutes ces vidéos. Pour fêter ça, je me suis dit que j'allais tenter de répondre à la question qui revient systématiquement dès que quelqu'un parle quelque part de mathématiques. Mais à quoi ça sert les maths? Seulement, il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à la question. Étant donné que je n'ai pas réussi à n'en sélectionner qu'une seule, voici donc 50 réponses à la question « À quoi ça sert les maths ?». Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai fait appel à quelques personnes. C'est parti. Réponse concise. Les maths, ça apprend plein de trucs essentiels. Par exemple, ça apprend qu'il faut définir proprement tous les mots qu'on utilise. Et servir à quelque chose, je pense que c'est pas proprement défini, on n'est pas tous d'accord sur ce que ça veut dire, donc on sera pas d'accord sur la réponse. Si servir à quelque chose pour vous, ça veut dire sauver des vies et construire des ponts, pourquoi pas, alors j'espère juste pour vous que vous ne vous intéressez pas que à des choses qui servent à quelque chose, parce que votre vie doit être atrocement triste. Si ça veut dire avoir des applications dans d'autres domaines, bon bah allons-y, les mathématiques c'est que ça, c'est fait pour ça. Les mathématiques, on regarde des objets différents, on dit tiens, d'un certain point de vue, ils ont quelque chose en commun, on construit une abstraction, les nombres, les figures géométriques, d'autres trucs encore. Et à partir de là, eh ben, tout ce qu'on a trouvé sur ces abstractions va s'appliquer naturellement dans tous les domaines dont ça vient, et d'autres encore. Et puis sinon, d'un point de vue personnel, ça sert à quelque chose. Par exemple, moi, ça m'a appris à être structuré dans ma pensée et concis. Réponse Fort Boyard. Grâce aux maths, vous pourrez gagner de précieuses secondes dans la salle du trésor en triomphant à coup sûr des maîtres du fort dans le jeu des bâtonnets, grâce à la solution Toujours laisser un bâtonnet, modulo 4. Déni de réponse. Attends, moi, les maths, je m'en sers jamais. Vous savez, je suis biologiste, je passe ma vie sur le terrain à regarder les poneys, les caribous, mon truc, c'est le comportement dans les animaux. Bon, peut-être cette fois, là, où j'ai utilisé les réseaux pour étudier les réseaux sociaux de chevaux, et puis il y a aussi cette fois où j'ai utilisé la trigonométrie et la géométrie pour simuler un déplacement de caribou. Bon, je vais peut-être baser toute ma thèse sur l'utilisation de fractales pour caractériser la structure de bancs de poissons. Et puis je fais quelques petites stats sur toutes mes données pour avoir des résultats. Non, mais vraiment quelques autres petits trucs, mais je m'en sers jamais des maths. Réponse littéraire. Les maths, ça sert aussi à créer des courants littéraires super funky. Par exemple, il faut savoir qu'à l'initiative de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, on trouve certes l'écrivain Raymond Queneau, mais aussi François Le Lyonnais, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'était pas lyonnais, mais bel et bien mathématicien. Et ouais. Réponse physicienne théorique. À quoi ça sert les maths? Eh bien, ça sert évidemment à faire de la physique théorique. Il y a quand même quelque chose de fascinant à voir que toute la physique fondamentale qui a notamment été développée à la fin du 19e siècle et tout au cours du 20e siècle, à chaque fois les physiciens font des observations, imaginent un certain nombre de concepts et finissent par se rendre compte que pour modéliser ces concepts, il faut utiliser un outil mathématique qui était justement disponible là, qui attendait de servir, que les mathématiciens avaient développé plusieurs dizaines d'années, voire un siècle auparavant, et qui collait parfaitement à ceux dont ils avaient besoin. Et donc rien que pour ça, les maths c'est quand même bien utile. Réponse « Nature is beautiful ». Les maths permettent de voir la beauté de la nature. Grâce aux mathématiques, on peut s'apercevoir que le monde qui nous entoure est fait de courbes et de fractales. Prenez un show romanesco, par exemple. Le kidam n'y verra qu'un simple légume, mais le matheux y verra sa structure fractale, ses motifs autosimilaires. Sinon, regardez le ventre flasque de votre partenaire, vous y verrez peut-être l'expression de cycloïde. Réponse fashion. J'aime porter des châles l'été. Le problème, c'est que c'est chaud un châle, sauf face au chaud. Pour cela, il me faut un châle avec peu de surface. Grâce aux maths, je peux crocheter un triangle de Sierpinski et je pourrais m'envelopper dans une surface tendant vers zéro. C'est parfait. Par contre, l'hiver, j'aime bien porter des snoods autour du cou. Mais le bord de mes snoods mérite. Mais grâce aux mathématiques, j'ai pu me tricoter un snood de Möbius qui n'a donc qu'un seul bord et qui mérite deux fois moins. Argument d'autorité. Albert Einstein, lui, il connaissait l'utilité des maths. Réponse Scout. Les maths, ça peut servir dans le cas où on se retrouve à constituer une équipe pour encadrer un accueil collectif de mineurs et qu'on doit avoir un directeur, au moins un animateur pour 12 jeunes, sachant qu'il faut au moins 50% de qualifiés, au plus 30% de stagiaires et au plus 20% de non-qualifiés. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'embaucher Rachid Aldebert comme encadrant, sachant qu'il fera sa session de formation générale un mois avant le séjour et qu'il n'est pas sûr de la réussir et donc d'être stagiaire? Sachant que j'aurai 35 jeunes et que j'ai pour l'instant deux animatrices qualifiées, un stagiaire et un non qualifié. Réponse de comptoir. Les maths, ça sert à montrer qu'il ne peut y avoir d'humains volants. C'est à cause du peu de sobriété des humains. Quand en pleine ivresse, ils doivent rentrer chez eux, ils se mettent à suivre une marche aléatoire. Les mathématiques montrent que les marches aléatoires, en deux dimensions, elles reviennent toujours sur leurs pas.
Bref, les sous à pied ne se perdent pas et finissent par retourner chez eux. Mais s'ils volent, ils suivent une marche aléatoire en trois dimensions, qui part à coup sûr vers l'infini, et ils ne retrouvent jamais leur maison. Finalement, s'il y a eu des humains volants qui sont morts de fatigue après une soirée trop arrosée. Réponse mauvaise foi. Imagine, tu es coincé dans le désert sans calculette, et tu tombes sur un génie qui te propose trois vœux. Seulement, il accepte de te les exaucer que si tu lui calcules la racine carrée de 181 413 961. Du coup, sans les maths, tu peux faire une croix sur tes envies de richesse et de super-pouvoir. Réponse anti-ésotérique. À savoir ce qui relève ou non des mathématiques. Souvent, quand quelqu'un parle du nombre d'or ou de la suite de Fibonacci, il n'est plus en train de parler de mathématiques. Si un parfum te vend les vertus esthétiques du chiffre d'or ou qu'un dentiste te vante la perfection de la séquence de Fibonacci, c'est sans doute que l'on essaye de t'enfiler du scientifique, là où il n'y a que du vent. Réponse logique. Les maths, ça permet de démontrer que si les choses utiles sont par définition celles qui servent à en faire d'autres, et les choses inutiles celles qui n'aident à en faire aucune, alors les choses utiles ne sont nécessairement qu'un moyen, et les choses inutiles, un aboutissement. À discuter de manière très sérieuse pendant des heures du meilleur système d'élimination de la télé-réalité, pour en conclure en citant l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, que le système de Secret Story est optimal. Réponse topologique. Mais les maths, ça sert aussi à démontrer en topologie que toute partie d'un ensemble E est ouverte. Ou rouge ? Réponse rassurante. Si tu lâches une pomme au-dessus du sol, quelque chose d'inquiétant se produit. La pomme s'y précipite. Lorsque tu refroidis un gaz, un autre phénomène complètement fou se produit. Son volume diminue. Notre univers est très étrange et personne ne nous en a donné le mode d'emploi. Les mathématiques nous permettent de décrire cet univers hostile avec une finesse redoutable, nous en offrant une perspective qu'on ne peut obtenir d'aucune autre manière. Alors les mathématiques, c'est peut-être par moments très compliqué, mais ça me donne quelque chose que je n'échangerais pour rien au monde. Une illusion de contrôle sur mon environnement. Réponse TV Geek. Ça sert à profiter à fond de tout le potentiel comique d'une planche de XKCD ou d'un épisode de The Big Bang Theory ou de Futurama. Réponse démonstrative. À démontrer des trucs de façon rigoureuse. Mais aussi à démontrer de façon rigoureuse que certains trucs ne peuvent pas être démontrés de façon rigoureuse, et ça c'est fort. Mais aussi à démontrer que la démonstration qui montre que certains trucs ne sont pas démontrables est rigoureuse, et que du coup il existe indubitablement des trucs indémontrables, et ça c'est quand même très fort. Réponse suisse. Oh bah, quand on manque de vocabulaire puis qu'on sait pas dire nonante par exemple, bah on arrive à s'exprimer quand même. On dit 4 x 20 plus 10, 90, puis on comprend. Réponse, par où commencer ? Bah, on va parler du produit vectoriel. Et nous avons ce que nous appelons la force de Lorentz, en fait un tore. Il y a l'analyse de Fourier, par exemple, des fréquences temporelles dans un signal. La relativité générale, hein, les tenseurs Galilée. Ping, 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 ding, 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 ding. Les équations différentielles. À sa dérivée première, la fameuse équation de Schrödinger. Vous parlez de symétrie, théorie des groupes ponctuels de symétrie par exemple, la quantification du moment cinétique. Le premier modèle quantique d'atomes. Réponse Kikoulol. Rien. LOL. Réponse professeur Letton. Alors, j'adore résoudre plein de problèmes, plein d'énigmes. Si j'avais pu, je serais devenu enquêteur. Et pour moi, les mathématiques, c'est vraiment un outil, une sorte d'arme très puissante. Certains utilisent leurs muscles pour résoudre des problèmes. Moi, je préfère utiliser mon esprit. Et les mathématiques, eh ben, c'est quelque chose de très pratique pour ça. Ce que j'adore dans un problème, c'est vraiment le moment où on le résout. Le moment où on comprend tout et on se dit, mais comment j'ai pu me poser un tel problème? Comment j'ai pas pu voir que c'était évident? Réponse, ta gueule, Paul. Les maths sont objectives, éternelles. Et absolue. Elles sont donc très pratiques pour légitimer un argument philosophique avec une rhétorique plus ou moins sophistique. Réponse sadique. Les maths, ça rend beaucoup de gens tristes, et comme je suis un vrai sadique, j'adore rendre les gens tristes. Réponse statistique. 5% des personnes interrogées répondent à rien, 10% à quelque chose, 15% s'en moquent, 25% à résoudre des problèmes de la vie quotidienne, 20% à faire réfléchir, 25% à la science, et enfin 7% des personnes interrogées pensent que les maths permettent de faire des études statistiques bancales. Réponse Minecraft. À construire des avions, à construire des télés, à faire des sabres laser, à construire des temples aztèques, à construire un Nintendo Switch, à construire des moteurs, à construire des voitures, à construire des radars, à construire des bombes. Réponse Gnome voleur de slip. Phase 1, faire des maths. Phase 2,
Phase 3, profit. Réponse personnelle. J'aime les maths parce que quand j'étais petite et que je regardais des films, je voyais toujours des équations sur les tableaux quand c'était un film qui voulait être sérieux, un petit peu scientifique. Et ça me semblait inatteignable de pouvoir comprendre cette affaire-là. Et donc j'avais envie d'apprendre à décoder ce nouveau langage. Et maintenant que j'ai appris les maths, du moins une toute petite partie des mathématiques, quand je vois ces mêmes tableaux à la télé, dans les films, n'importe où, ben, je comprends ce qui est écrit, et les rares fois où je ne comprends pas, ben, au moins je sais pourquoi est-ce que je ne comprends pas, et je me dis qu'ils ont bien fait leur travail, et qu'ils sont vraiment allés voir des vrais mathématiciens pour avoir des équations qui ont un sens un petit peu plus profond. Bref, j'aime les maths parce que j'aime avoir à ma disposition une nouvelle langue supplémentaire, même si je ne suis vraiment pas bilingue. Réponse patriote. À déchiffrer les messages codés envoyés par les nazis ou les japonais et ainsi à gagner des guerres pour la liberté. Réponse méchant de James Bond. Grâce aux mathématiques, je vais pouvoir calculer des matrices. Grâce à ces matrices, je vais pouvoir créer des ordinateurs hyper puissants. Et grâce à ces ordinateurs, je dominerai le monde. Réponse musicale. Les maths, ça sert aussi à faire de la musique. Pythagore déjà décryptait les belles harmonies en divisant les octaves en intervalles et composant ainsi la première gamme qui portera son nom. Et jusqu'à aujourd'hui, les maths sont au cœur du travail des acousticiens, ingé-sons et sound designers. La musique est mathématique, et comme le disait si éloquemment Leibniz en 1712, la musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. Renversement de la charge de la preuve. Et toi, tu pourrais me dire pourquoi les maths ne servent à rien ? Réponse artistique. Les mathématiques, c'est un langage universel, qui par moments, bien que construit de façon totalement abstraite par un esprit humain fonctionnant à pleine blinde, vient rencontrer le monde réel, matériel, tangible, et le décrit avec une incroyable précision. Et puis les maths, à l'écrit, c'est joli. On dirait une langue pleine de courbes, de hiéroglyphes, d'hésitations, d'accélérations, de fulgurances. Picasso disait « Quand je lis un livre d'Einstein, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, car j'apprends autre chose quand même. » Réponse contre-intuitive. Une droite déprime en géométrie. Une boule carrée en topologie. Une somme infinie dont la valeur est finie. Des nombres qui sont égaux à d'autres en arithmétique modulaire. Pas de doute à avoir. Les mathématiques servent à atteindre les paradis artificiels tant prisés par l'homme. Réponse introspective. Comprendre les mathématiques, c'est se comprendre soi-même. Réponse Bob le bricoleur. Les maths ne sont rien d'autre qu'un outil. Je vous demande, moi, à quoi sert une pelle s'il n'y a rien à creuser ? Réponse pragmatique. À écrire des livres bien épais, hyper pratiques pour caler une table ou une étagère. Réponse ma thèse en 30 secondes. Les maths, ça sert en médecine à simuler des expériences d'angiographie cérébrale par résonance magnétique, c'est-à-dire à reproduire virtuellement des images IRM des écoulements sanguins, pour la prévention et le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Et rendez-vous compte, en résolvant un seul système d'équations, les équations de Bloch, on est capable de reproduire n'importe quelle image IRM. Alors j'espère que maintenant, tout comme moi, vous penserez à toutes ces vies sauvées quand vous ferez des maths. Réponse chimiste. Les maths, ça sert autant à diluer nos solutions qu'à trouver LA solution. De la simple proportionnalité à Schrödinger, de la cristallographie au nombre de gouttes à ajouter, les maths sont aussi utiles aux chimistes que les éprouvettes. Surtout qu'elles ne nécessitent pas une heure de nettoyage après usage. Réponse existentielle. Quand Gigi m'a demandé de donner ma réponse à cette question, je me suis rappelé ma prof de maths de collège qui, quand elle la posait, répondait à chaque fois « ça sert aux maçons pour faire des murs droits et avec les bons angles ». Je précise pas qu'à l'époque, elle nous apprenait le théorème de Pythagore et celui de Thalès. Mais plus fondamentalement, on pourrait se dire, comme le fait Max Tegmark dans son livre Our Mathematical Universe, que si toutes les lois physiques qui gouvernent nos vies peuvent être décrites grâce aux mathématiques, notre univers, voire multivers, n'est peut-être qu'une construction mathématique extrêmement complexe. Dans cette optique, les mathématiques serviraient finalement à nous faire exister. Réponse, c'est bon, t'as suivi ? Ça sert à comprendre comment serait le monde s'il était en dimension 4 au lieu de dimension 3. Ça sert à comprendre comment serait le monde s'il était non euclidien à la place d'euclidien. En bref, ça sert à savoir comment serait le monde s'il était tel qu'il n'est pas. Et ça, jusqu'à ce que les sciences physiques réalisent quelques siècles plus tard que finalement le monde est multidimensionnel et non euclidien.
En bref, les mathématiques permettent de comprendre le monde tel qu'il est avant même de réaliser qu'il est tel qu'on pensait qu'il n'était pas. Et ça, c'est fort. Réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. 42. Réponse mauvaise foi. Comment carreler le sol d'une pièce parfaitement rectangle aux dimensions entières avec des carreaux à dimensions entières sans avoir à en couper? C'est impossible sans calculer un PGCD. Réponse stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les maths, ça sert à rien. Non mais sérieux, ça sert à rien. Ça vous a déjà servi à quelque chose, vous? Non mais sérieux. Par exemple, le compas. Vous avez déjà utilisé un compas, vous? Je sais même pas à quoi ça sert, moi. Et les racines carrées, ça vous a déjà sorti d'une galère? Voilà, c'est tout pour moi. C'était Gigi. Réponse topologie des familles. À savoir comment compter les trous de la quatrième dimension de ta mère. Réponse d'incompétent. Il faut bien une discipline sur laquelle on puisse dire que l'on a toujours été nul sans risquer de passer pour quelqu'un d'incompétent. Réponse pharmacienne. En pharmacie d'officine, les maths me permettent de calculer le nombre de boîtes à délivrer aux patients en fonction du nombre de prises par jour et de la durée du traitement. En laboratoire d'analyse médicale, les maths servent à calculer des indicateurs, par exemple l'INR, afin d'adapter si besoin les dosages des traitements anticoagulants. Réponse humaniste. À quoi ça sert les maths? Question aussi vague que « à quoi ça sert le français ?» Je pourrais vous parler des nombreuses utilités des mathématiques dans la vie usuelle et de l'importance d'une langue pour communiquer, mais il est vrai qu'il est peu probable que la réduction d'endomorphisme ou la factorisation de polynômes vous servent à quoi que ce soit. Mais pas plus que de savoir rédiger une dissertation en trois parties, soyons honnêtes. Pour autant, peut-on juger ses connaissances et savoir-faire comme étant inutiles? Eh bien non, les mathématiques forment une culture. Tout comme la pratique d'autres disciplines, elles vous permettent de construire votre pensée et de vous ouvrir sur le monde. Et ça, c'est utile tous les jours et en toutes circonstances. Réponse flagorneuse. 10 ans de chou romanesco, vache qui rit et intégrale curviligne, félicitations LGJ, joyeux anniversaire. Alors à quoi ça sert les maths? Les maths, ça sert à faire des chaînes YouTube avec de super vidéos de 2 minutes. 2 minutes? Réponse finale. Bref, si on peut trouver au moins 50 réponses différentes à la question « À quoi ça sert les maths ?», c'est bien que, quelque part, elles doivent servir à quelque chose, non ?